Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. Nous sommes en hiver, pratiquement à la moitié du mois de décembre et on a déjà des floraisons. Mais c'est surtout en ce moment une très bonne période pour la plantation. Rappelez-vous le fameux dicton à la Sainte-Catherine le 25 novembre, tout bois prend racine et tout bois prend racine pratiquement, on va dire, jusqu'au début du printemps, donc à savoir la fin février. Alors pour cette nouvelle émission Jardiner, ça fait du bien, nous avons toujours notre petite jardinière Nicole à la caméra pour nous faire de très très jolies images. Et je vous propose aujourd'hui de planter un jasmin. Alors pour l'instant nous sommes dans notre petit jardin de l'Essonne où nous avons des jasmins d'hiver qui sont tout à fait rustiques et même aussi des jasmins étoilés dont je vais vous dire quelques mots, mais nous allons faire notre plantation en Vendée, il y fait beaucoup plus doux et nous allons planter un véritable jasmin, le jasmin d'Arabie, celui qui sent délicieusement bon. Alors dans un premier temps, quelques mots sur le jasmin d'hiver. Le jasmin d'hiver, jasminum nudiflorum, donc les fleurs nues, pourquoi ? Bien parce que les rameaux n'ont pas de feuilles lorsque les fleurs s'épanouissent durant l'hiver, est une plante originaire de Chine. Elle a été découverte en 1844 par le fameux voyageur explorateur botaniste Robert Fortune qui l'a envoyé à Londres où John Lindley lui a donné son nom, jasminum nudiflorum. Dans notre petit jardin francilien, avec ma petite jardinière, nous cultivons plusieurs pieds de Trachelospermum jasminoides. Oui, c'est plus facile de dire le jasmin étoilé. Trachelospermum, cela veut dire tout simplement que la graine est à long cou. Trachelo, c'est le long cou, et puis spermum, c'est la graine. Cette vigoureuse plante grimpante originaire d'Asie a été nommée en 1851 par Charles-Antoine Lemaire, oui, le nom compliqué de Trachelospermum jasminoides. C'est un jasmin extrêmement intéressant parce qu'il va se couvrir littéralement de fleurs blanches parfumées comme celle du jasmin, fin mai, début juin. Parfois, il y a quelques fleurs qui reviennent au mois de septembre. Regardez, actuellement, il est encore bien vert parce que nous n'avons pas eu de fortes gelées. En revanche, dès qu'il va avoir vraiment froid, les feuilles vont devenir un peu comme ici. On voit que ça commence à changer de couleur. Elles deviennent un peu rouges, mais la plante résiste parfaitement. Et ici, il y a eu moins 12 degrés et jamais ces plantes n'ont été abîmées par le gel. Nous sommes à l'automne et c'est la période absolument idéale pour toutes les plantations d'arbres, d'arbustes, de conifères, de plantes grimpantes. Et aujourd'hui, je vous propose de planter un jasmin d'Arabie. Le jasmin d'Arabie ou jasmin sambac n'est pas originaire d'Arabie, mais du nord de l'Inde. Il pousse naturellement dans les vallées de l'Himalaya où il prospère sous forme d'un arbuste grimpant qui peut atteindre environ 3 mètres de hauteur. On l'apprécie pour ses floraisons extraordinairement parfumées, mais également son feuillage qui est persistant. En France, attention, il est limite rustique. Moins 5 degrés, il commence à avoir froid, donc il faudra penser à le protéger en hiver ou bien le réserver aux régions méditerranéennes. Je vais creuser un trou au pied de cette gloriette qui va nous servir de support pour la plante grimpante. Alors ici la terre est excellente, donc j'ai pas besoin de faire un trou énorme. Je commence par décaper délicatement la pelouse. Faites un trou d'environ 40 cm de côté. C'est tout à fait suffisant. N'hésitez pas à donner des bons coups de bêche aussi au fond pour décompacter la terre de manière à ce que les racines puissent s'enfoncer en profondeur sans aucun problème. Maintenant, je vais vérifier la profondeur de mon trou de plantation. Là, je me trouve environ 2-3 cm sous le niveau du pot. C'est absolument parfait. Je vais procéder au dépotage. Donc, toujours la plante tenue ici. On retourne. Alors on appuie sur le conteneur comme cela et puis ça se démoule tout seul. Alors ici il n'y a pas de chignon, nous allons pouvoir planter directement. Je commence par mettre du fumier décomposé ou du compost très très mûr au fond de notre trou. Vous pouvez mettre aussi un peu de corne torréfiée. Et maintenant je vais installer ma plante directement dans son trou. Je lui donne une légère inclinaison pour qu'elle se dirige sur son support. Maintenant, je vais mélanger
ce qu'il me reste d'amendement organique avec la terre d'origine. Je vais même effectuer le mélange avec la main pour permettre d'éliminer des racines qui seraient indésirables comme ici. Et aussi décompacter cette terre dont l'amendement organique va permettre non seulement de nourrir, mais aussi d'aérer. Je remplis maintenant le trou de plantation avec mon nouveau substrat. L'important, c'est de bien en mettre partout, donc de bien faire glisser la terre comme ça dans les angles. Et ensuite, on va terminer à la main. C'est pourquoi j'aime bien travailler à genoux au plus près de ma plante dans la plantation. Et surtout, vous voyez, avec les mains, je peux faire bien pénétrer la terre au contact des racines. Et ça, c'est extrêmement important. La profondeur de plantation est bien respectée. Et je ménage aussi une petite cuvette, comme ça, en tassant, pour pouvoir récupérer l'eau d'arrosage. Bien évidemment, on termine par un arrosage. Pour une plante comme celle-ci, comptez environ 10 à 12 litres, soit l'intégralité de mon arrosoir ici. La petite cuvette retient très très bien l'eau d'arrosage et la concentre sur les racines de ma plante. Toutes les plantes grimpantes dans le commerce sont vendues avec une échelle en bambou sur lesquelles les jeunes pousses sont attachées. Souvent, elles sont trop serrées. Alors nous allons vérifier déjà celles qui sont un petit peu étranglées et je vais les détacher avant de fixer de nouveau ma plante sur son support. Et maintenant, je vais attacher l'extrémité de cette tige de ma plante parce que c'est là que je veux qu'elle se dirige. Pour ne pas gêner la végétation, je vais poser mon lien sur ce qu'on appelle un entre-nœud, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre deux feuilles. Donc un lien tout simple. Donc en laissant vraiment de la souplesse et de l'espace, la tige va pouvoir grossir sans problème. Et pour des raisons esthétiques, je réduis la taille de mon lien. Je vous rappelle que notre jasmin d'Arabie est une plante frileuse, donc nous allons déjà prévoir une protection et puis en même temps aussi quelque chose de plus esthétique avec un paillage. Alors ici, on a de la paille hachée, donc comptez environ 5 cm de paille. Ça va aussi empêcher les herbes indésirables de se développer. Et puis on a un beau gros chien qui vient m'aider. Et c'est avec notre petite mascotte Perle, notre Westie aussi sympathique, que je vous dis au revoir. Merci d'avoir suivi encore une fois cette émission. Jardiner, ça fait du bien. Et oui, ça fait tellement de bien d'être au jardin. Même en période de déconfinement, c'est vraiment génial. Alors, je vous dis rendez-vous très 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 bientôt avec Perle, avec Nicole, pour de nouvelles aventures jardinières. C'est sur Nos Jardins TV, bien sûr.